Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut, chers amis, j'espère que vous avez la pêche. Pour le compte de ce tutoriel, nous allons voir un peu, nous allons explorer un peu l'écosystème Bitcoin Z. Je dis bien l'écosystème Bitcoin Z et les dernières actualisations, c'est-à-dire pour comment est-ce que vous pouvez désormais acheter ou bien, en fait, la bonne information, si vous voulez. Comment est-ce que vous pouvez acheter vos Bitcoin Z sur PancakeSwap? Mais attention, la plus grosse information, vous l'aurez vers la fin de ce tutoriel. Donc, vous restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une information. Derrière l'information, il y a information, vous savez. Surtout ceux qui avaient déjà acheté cette monnaie-là et qui l'a logée, si vous voulez, ou bien qui l'a stockée dans Coinomi Wallet. Quelle disposition vous pourrez prendre maintenant pour retrouver vos jetons sur pour retrouver vos jetons sur comment vous appelez ça dans votre Trust Wallet. D'accord? C'est très très important. Et donc vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce tutoriel. Alors, chers amis, il ne sera pas inutile. Il ne sera pas inutile. Je sais que vous le saviez déjà. Mais la répétition, vous savez, elle est pédagogique. Elle est pédagogique. Il suffit tout simplement que vous veniez ici. Donc, en fait, je voudrais vous dire de ne pas oublier de vous abonner. D'accord? Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, ce n'est pas bien. Je vous prie de vous abonner et pourquoi pas de partager le tutoriel avec ceux qui, avec vos amis. C'est très important. Partager le tutoriel avec vos amis, il faut faire des commentaires, il faut nous donner de j'aime, etc. Ça nous galvanise, ça nous motive à vous produire toujours, en fait, à courir derrière les bonnes informations, lesquelles informations vont rationaliser, vont vous permettre de rationaliser, si vous voulez, vos investissements. Donc, il suffit de venir juste ici, vous venez ici et vous cliquez sur abonnez-vous, et puis paf, vous êtes déjà abonné. Ou bien, vous venez, quand vous cliquez sur la vidéo, tout simplement, vous descendez légèrement. Vous verrez le lien là en bas. Voilà, abonnez-vous dès aujourd'hui à Yoyo TV via donc ce lien. Vous cliquez seulement sur le lien, vous êtes abonné. Ou bien vous venez ici tout simplement. Vous voyez, vous cliquez simplement là-dessus. Vous êtes également abonné. Et ça nous donne de tonus. Ça nous donne la force. Tout investissement est risqué. On n'investit pas en bourse l'argent dont on a besoin le lendemain. C'est très important. C'est la règle de base. Et il n'est pas bien. Là, je m'adresse aux membres de la, aux membres, à mes amis de la safe zone. Il n'est pas bien de mettre tous ses œufs dans un seul panier. Warren Buffett, c'est très, très important. Et n'investissez pas vos sous dans des choses dont vous n'avez pas besoin pour le moment. Sinon, si vous le faites, c'est que vous allez finalement vendre ce truc-là que vous auriez acheté, en avoir aussi besoin. C'est très, très important. Alors, lorsque nous parlons de Bitcoin Z, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre donc de profiter, de sortir, en fait, de transformer vos Bitcoin Z que vous avez dans Coinomi Wallet, dans votre Trust Wallet, bien sûr, dans votre MetaMask, afin d'en faire usage, si vous voulez, en Binance, en USDT et qu'est-ce que je sais encore. Le Bitcoin Z, c'est une monnaie communautaire, c'est une monnaie utilitaire, c'est une monnaie. Bon, en fait, ça va même au-delà de l'utilité, hein, si vous voulez. C'est une monnaie qui est en fait. Donc, quand on parle de Bitcoin Z, c'est important. Bitcoin plus quelque chose. Donc, lorsque nous parlons de Bitcoin Z, c'est cette monnaie-là, tout simplement, qui est venue corriger l'état. Vous voyez, qui vient corriger l'état de Bitcoin même. Donc, Bitcoin est l'une des rares pièces numériques à avoir eu un lancement équitable pour tout le monde. Il combine, c'est-à-dire il y a pas de, il combine no pre-mine, no insta-mine, no ICO sale et no development task. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas les protocoles que nous avons l'habitude de voir où on va passer par la pré, on va passer par la vente privée, la vente, la pré-vente, le fair launch, des trucs du genre. Pas du tout. Dans le même temps, Bitcoin Z est un projet 100% communautaire, je l'ai déjà dit. Donc, sans PDG, ni propriétaire
et avec un fort caractère de preuve de travail comme le Bitcoin original. Donc, il est pionnier dans la mise en œuvre d'algorithmes de minage résident aux ASIC, bien aux ASIC, afin de maximiser la décentralisation et propose une série de fonctionnalités innovantes comme la confidentialité en option que vous pouvez découvrir sur cette page. Je vous fais fi. Hein. Alors, Bitcoin Z conçu avec un plan d'émission stable des règles strictes des fours. Bon, en fait, je ne vais pas vous fatiguer avec toutes ces démonstrations-là. Je vous dépose le lien en bas donc, de ce tutoriel et à vos livres, vous pouvez lire, et puis, etc. Mais ce projet, c'est important de mentionner cela, c'est un grand projet. Mais attention, faites toujours vos propres recherches avant de vous lancer dedans. Moi, personnellement, j'investis dans cette monnaie. Alors, la feuille de route, ici nous avons la feuille de route qui sera encore expliquée, c'est-à-dire la feuille de route de 2022 à 2023 à partir du premier d'écoute. C'est vraiment important et que vous souvenez que le halving se fait chaque mois d'octobre de chaque année. Donc l'anniversaire de notre projet Bitcoin Z se prépare également activement. Où il faut stocker donc Bitcoin Z, ceci n'a pas encore été actualisé. Donc désormais vous avez la possibilité, bon pas désormais, comment vous appelez ça, Vidulium Multi Wallet, nous avons Zelle Core Multi Wallet et tout ce portefeuille de Bitcoin Z lui-même. Et aujourd'hui, on peut ajouter nous pouvons ajouter aujourd'hui MetaMask et Trust Wallet. Donc, vous pouvez désormais stocker vos Bitcoin Z là-bas ou acheter. Donc, vous pouvez acheter sur les plateformes centralisées, bien sûr. Vous pouvez, Crest24 est en train d'avoir un souci. SafeTrade, Crates, et puis tout le reste, Gravies. Vous pouvez également aller là-bas trader votre Bitcoin Z. Nous avons également Trader OG, je crois bien, hein, que je prononce bien, etc. Donc, vous pouvez acheter Bitcoin Z sur toutes ces plateformes centralisées que vous voyez là, et cette desk-là, hein, parce que desk, etc., hein, vous pouvez aller acheter. Mais ici, ce qui est l'innovation, c'est qu'il y a désormais le pont qui nous permet d'acheter directement Bitcoin Z avec sur PancakeSwap. Et l'adresse vous sera déposée en bas de ce tutoriel, l'adresse de ce tutoriel. Alors, chers amis, le Bitcoin, nous allons faire une preuve. Il y a quelque chose ici hein, qui prouve que le Bitcoin Z est une monnaie en laquelle nous devons, malgré la crise, c'est en 24 heures ici, le pourcentage en 24 heures en une journée, et voir ensemble l'évolution de cette monnaie-là pendant les 90 dernières, qu'on peut trader aisément et se faire d'argent. C'est une information qui a peut-être échappé presque à nous tous, mais aujourd'hui, vous avez l'information aujourd'hui. Et lorsque nous... Regardez un peu le tableau. Regardez. Voilà, en 24 heures, plus 2,60, plus 88,62. Imaginez, vous avez investi tout simplement 1000 et l'a laissé pendant 30 jours. Pendant 90 jours, pardon. Pendant 90 jours, vous voyez un peu le pourcentage, c'est énorme. Et donc, voilà une information que je mets à votre... disposition qui peut vous permettre. Il est à rappeler que la monnaie n'est pas encore listée sur Binance. Bitcoin Z n'est pas encore listée sur Binance. Mais les tentacules, si vous voulez, hein, les démarches sont sûrement en cours pour que cette monnaie soit listée Binance. Alors, chers amis, chers investisseurs, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant que vous disposez, là, je m'adresse aux anciens, ceux qui possèdent déjà Bitcoin Z dans leur portefeuille. C'est cette monnaie-là, si vous voulez, dans votre wallet, afin de pouvoir swapper facilement lorsque ça va commencer par prendre de la valeur. Mais avant, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez juste ici. Abonnez-vous, mettez des commentaires, proposez des sujets sur lesquels qui vous intéressent. Et puis voilà, nous allons les traiter pour vous sans difficulté. Et aussi, je rappelle à mes amis de la Safe Zone qu'un tutoriel vous sera envoyé sûrement demain sur les actualisations, ce que vous devez savoir, etc., etc. C'est vraiment important. Et ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe WhatsApp, c'est le moment donc de vous signaler et nous allons vous ajouter systématiquement. En commentaire même de ce tutoriel, vous pouvez mettre votre numéro WhatsApp en commentaire et nous allons vous ajouter directement
à notre, nous allons vous inviter directement à notre plateforme WhatsApp. C'est une plateforme qui peut prendre jusqu'à 600 personnes. Alors, chers amis, nous allons donc revenir rapidement sur ce que vous devriez faire pour aller, comment vous appelez, ce que vous devez faire lorsque Bitcoin Z va commencer par prendre de la valeur pour swapper directement donc, vos jeux dans votre compte de Mi Wallet. Et sur, vous allez essayer, vous allez essayer de créer un compte, une plateforme centralisée comme Stealth, pourquoi pas, d'accord, Stealth ou bien SaferTrade ou bien Gravies. C'est à vous de savoir quelle plateforme créer. Et donc, après avoir créé la plateforme, s'il vous plaît, il faut utiliser une plateforme centralisée. Donc, après avoir créé la plateforme, quand vous envoyez vos Bitcoin Z là-bas, vous allez, les frais sont très, très, très négligeables. On ne va pas parler des frais, non, pas du tout. Et donc, lorsque que vous auriez créé, donc, que ce soit centralisé de votre choix, alors vous allez l'envoyer à nouveau dans votre wallet, tout simplement. En prenant l'adresse de Bitcoin Z, je vous ai dit tout à l'heure que le contrat vous sera envoyé. Le contrat va vous permettre donc de savoir, d'ajouter Bitcoin Z. Vous voyez, d'ajouter Bitcoin Z. Et lorsque vous ajoutez Bitcoin Z, votre plateforme centralisée afin de pouvoir holder désormais. Et une fois là-bas, quand ça commence à prendre de la valeur, vous pouvez facilement swap bien le dollar, l'USDT, l'utiliser. Donc ici, désormais, vous voyez, PancakeSwap, Trade, etc., etc. Vous-même, vous pouvez, si nous sommes sur la plateforme CoinGecko, donc vous cliquez juste là pour copier le contrat. Voilà, donc je rappelle que le Bitcoin Z est une crypto-monnaie qui a son propre, qui a sa propre blockchain. Vous savez, qui a sa propre à la blockchain. Donc ici, vous copiez simplement, ajoutez la monnaie Bitcoin MetaMask. Donc voilà un peu ce que je reste comme utile. Savoir, ça nous permet. Qu'est-ce qu'il reste? Alors, nous avons une bonne information pour vous, hein, innovante. Mais avant, la formation sur les indices synthétiques. Cette formation, c'est le moment de vous inscrire. C'est le moment de vous inscrire. Ça va vous permettre de couper un peu de dollars chaque jour que Dieu fait. Le monde, d'ailleurs, traverse. Nous avons également des formations sur toutes les plateformes qui sont de la communauté YEM. S'il vous plaît, il n'y a pas dans notre rubrique écho de nos portefeuilles du lundi au vendredi, je l'ai toujours rappelé, il n'y a pas de l'argent facile en ligne. Et ceux qui pensent que la blockchain a été créée pour sauver les pauvres, c'est des propos que nous avions entendus en 2021. Je pense qu'il n'y a pas d'argent facile, c'est le travail acharné. Et si vous êtes sur Telegram, faites très très attention. Si tu es votre humble serviteur, non, à très vite.